avec Sébastien Baud, l'entraîneur d'une de Vilto, qui est bien couru à plusieurs reprises en fin d'année. Oui, la jument a fait toutes ses courses, hein, on n'a rien à lui reprocher. Vous êtes allé faire un petit tour à Cagnes? Oui, on allait faire un petit tour à Cagnes parce que bon, on n'avait plus d'engagement à Vincennes avant celle de mercredi. Donc on a fait le déplacement, mais ça s'est pas très bien passé. Une course sans train, on s'est retrouvé un petit peu loin. La jument a bien fini, mais on était trop loin. Bon, ça fait d'ailleurs quasiment un mois et demi qu'on ne l'a pas revue en compétition. Oui, voilà, un mois et demi. C'est un petit peu long, mais bon, vu qu'elle avait couru pas mal ces derniers temps, ça lui a redonné un petit peu de fraîcheur. Et les 2100 2100, ça ne la dérange pas, bien au contraire. C'est plus une jument de vitesse que de tenue. Il n'y a pas grand-chose pour la déranger, mis à part l'opposition. Oui, voilà, il y a quand même un bon lot et on va partir en deuxième ligne. On n'a pas encore les numéros, mais il ne faudrait pas un numéro trop à l'extérieur. Est-ce qu'on va voir la une de Vilto qu'on a vue à Cabourg notamment, pour bien jouer les premiers rôles d'un quintet? Oui, je pense, la jument me paraît bien au travail. On a essayé de compenser les courses par le travail, c'est pas évident, mais elle me paraît bien. En résumé, on va dire pas une priorité, mais pas une impossibilité, Seb. Voilà, elle peut être 4-5e, mieux, ça va être dur à mon avis, ou il va falloir que ça se passe très bien.